Premier exemple pour le changement de variable, on va commencer par un exemple assez simple. Bon, supposons qu'on voudrait avoir l'intégrale de 2x fois x2 moins 7 dx. OK. Puis mon x2 moins 7, je vais le mettre à la 5. Ça donne un petit challenge. OK, donc je voudrais faire l'intégrale de 2x fois x2 moins 7 à la 5 dx. Bon, évidemment, avant même de voir le changement de variable, on peut faire cette intégrale-là. Donc, les semaines précédentes, on aurait pu intégrer ça ici, mais ça aurait été assez horrible parce qu'il aurait fallu faire x2 moins 7 à la 5, donc multiplier 5 fois par elle-même la parenthèse x2 moins 7, multiplier tout le résultat par dx, ensuite intégrer. C'est quand même très long. Et ici, le changement de variable va surtout nous servir pour sauver du temps. Donc, si je dis u égale. Okay, le but du u, c'est de simplifier l'intégrale, mais aussi, qu'est-ce qui va m'aider à le déterminer? Ça va être quoi le u? Il faut que je trouve une fonction dont la dérivée ou le multiple de la dérivée multiplie le dx dans l'intégrale initiale. Puis c'est souvent la fonction à l'intérieur d'une autre. Comme ici, j'ai x2 moins 7. Donc, j'ai cette parabole-là qui est à l'intérieur de la fonction puissance 5. Okay, et en même temps, ce serait quoi la dérivée de x2 moins 7? Ben, la dérivée de x2 moins 7, c'est 2x. Et quel hasard, 2x, c'est justement ce qui multiplie le dx dans mon intégrale. Donc, si je dis que u égale x2 moins 7, du va être égal à quoi? Ben, la différentielle de u, c'est sa dérivée fois l'élément différentiel de la variable. Donc, du égale 2x fois l'élément différentiel dx, parce que je viens de dériver du x. C'est comme dire du sur 2x égale 2x, puis c'est comme si j'envoyais le dx en multiple ici. Un coup que c'est fait, c'est pas tout à fait vrai, là. Une dérivée et une différentielle, c'est pas la même chose, mais c'est un moyen mnémotechnique, là. On peut utiliser pour s'en rappeler. Ici, je reviens maintenant à mon intégrale initiale. J'ai donc l'intégrale 2. Il y a plusieurs façons de travailler. Les deux premiers exemples, je vais les faire de deux manières différentes. Puis on peut choisir celle qu'on veut. On peut dire, ben, le 2x ici, je ne l'ai pas changé, je ne l'ai pas mis dans le changement de variable, fait que pour l'instant, je le laisse. Le but, par contre, étant toujours qu'il ne reste qu'une seule variable tout le temps. Si j'ai deux variables dans mon intégrale, soit que je n'ai pas assez simplifié, soit que j'ai fait une erreur. Je ne peux pas avoir deux variables dans une intégrale. Donc, j'ai 2x ici. x2 moins 7, on l'appelle u. Donc, on va l'appeler u. Puis, à la 5. Donc, u à la 5. Puis, mon dx qui est ici, il faut que je le change. Mais ce que je vais faire, je vais venir l'isoler ici. Donc, si je voulais isoler mon dx, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais avoir du sur 2x. Donc, ici, je vais avoir du sur 2x. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les 2x, le 2x qui était ici, va se simplifier avec le 2x qui est ici, en bas. Et il ne me reste qu'une seule variable dans mon intégrale. Il me reste l'intégrale de u à la 5 du. Ben, l'intégrale de u à la 5, c'est super facile. J'ai ma formule d'une puissance, donc une des formules de base. Je l'utilise, l'intégrale de u à la 5, c'est u à la 6 sur 6 plus ma constante d'intégration. Là, je pourrais penser que j'ai terminé, mais non, parce que ma réponse est en u, puis l'intégrale initiale est en x. Il faut que ma réponse soit en x, mais u, je connais sa valeur. U, je sais que c'est x2 moins 7. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est dire que j'ai, au lieu de u6, j'ai x2 moins 7 à la 6 sur 6 plus ma constante d'intégration. Et c'est tout. Donc l'intégrale de 2x fois x2 moins 7 à la 5 dx, c'est x2 moins 7 à la 6 sur 6 plus c. Évidemment, on aurait pu remarquer, on aurait pu venir de cette intégrale-ci à cette intégrale-là d'un coup sec sans passer par l'étape qui est ici en disant, ben, j'ai, ça ici je l'appelais u, donc j'ai u à la 5. Puis ce qui me reste, 2x fois dx, ben 2x fois dx, c'est du.
Donc, j'ai U à la 5 fois du U. Je pourrais aller de 1 à l'autre directement.